Vous prenez la page 8, Gimel Amoudbet. Vaïves Beinav. On va apprendre. Vous savez, je crois que dans les codes de la guerre, on ne doit pas attaquer les officiers en premier. Mais en vérité, dans la vraie logique, quand tu veux déstabiliser, tu déstabilises en commençant par les têtes, par les officiers. Ok ? Quand il y a marqué, dans le pasouk, quand il y a Mordechai, quand Vaïves, vous voyez, il y a un petit trait là, j'ai souligné. Vaïves Beinav. Donc il y a marqué que lorsque Mordechai, s'est tenu droit, qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Qu'est-ce qu'il a fait à Man? Très énervé. Il a fait quoi? Celui-là, il se prosterne pas, il baisse pas la tête quand je viens. Et il savait pas que Mordechai était du 9-3. Il baisse pas la tête. Alors, il baisse pas la tête quand je viens. Vaïves Beinav, l'ishloach yad, be Mordechai levado. Il n'a pas voulu jeter sa colère seulement sur Mordechai. Il a voulu se jeter sur la tête, d'ailleurs, je crois. Bah, il va se donner le choix de Mordechai Levado. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Amarav, il a dit, Betrila, ben Mordechai Levado. Au début, il comptait attaquer Mordechai tout seul. Après, Ulvasov Be'am Mordechai, parce qu'il y a marqué plusieurs fois, il y a marqué pas Mordechai tout seul, après Am Mordechai, le peuple de Mordechai, et après, il y a marqué Kol HaYehudim, tous les juifs. C'est qui le peuple de Mordechai? C'est les Rabbanim. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, je vais les faire d'abord Mordechai, le big leader, après les leaders en dessous, et après je prends le petit peuple. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le petit peuple, il a besoin de leaders. Donc on croit que leader, c'est un gros mot. C'est pas un gros mot, leader. Leader, le petit peuple, il a besoin de leaders. Alors, pas des leaders comme maintenant, des malveillants, mais des leaders bienveillants. Il a besoin de leaders, des gens qui vont pouvoir leur dire là où il faut aller. Et on, comme le rabbi dit toujours, chacun, il doit se transformer en leader de son entourage. Et donc, qu'est-ce qu'il voulait faire, Mordechai? Il voulait faire, moi, je vais les déstabiliser, les petits moutons. Je vais en faire qu'une bouchée. Mais pour cela, il faut d'abord que j'enlève les lions. Une fois que j'ai enlevé les lions, et après j'ai enlevé les lions, après je peux m'attaquer. Ok? Alors, au début, il a dit, je vais attaquer Mordechai. Ulvasov Be'am, Ulvasov Be'am Mordechai, le peuple de Mordechai. Umanu, c'est qui? C'est Rabbanan. Ulvasov Bechol Ayehudim, dans tous les juifs. Ok?